Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Alain Boudier, qui est le président de Sigma Co, vice-président maintenant de Sigma 2, mais toujours en été président de Sigma 1, faisant partie de la 3AF. Une communication à vous faire. Ok, merci. Bon, mesdames, messieurs, chers amis, comme vous tous ici, nous avons pris connaissance de l'étonnante interview, c'est un euphémisme, de l'ancien responsable du GIPAN, interview publiée dans le magazine Nexus, numéro 89, de la page 95 à 99, et plus particulièrement du paragraphe dédié travaux de la commission Sigma, page 97. Compte tenu de son caractère délibérément vexatoire et totalement irresponsable, tant sur le fond que sur la forme, attentatoire à l'encontre des travaux même de la 3AF, une réponse proportionnée sera donnée en temps voulu par nos plus hautes autorités, à moins de rapides excuses publiques de sa part. Monsieur Jean-Luc Lavelle, s'il le souhaite bien sûr, a toute attitude pour s'exprimer à titre personnel sur cette affaire, dans la mesure où il n'est pas lié, comme moi, au devoir de réserve. Voilà ce que je peux dire ce soir, et ne peut-être pas dire ce que je n'ai jamais dit, ni écrit, ni pensé. Des faits, rien que des faits. Maintenant, pour faire court et afin d'anticiper d'éventuelles questions sur la future évolution de Sigma, pour les 18 prochains mois, je vous renvoie sur le site 3AF où est détaillée notre nouvelle stratégie et nos axes de recherche. Devant malheureusement vous quitter pour un dîner en ville, je vous souhaite une fructueuse soirée, n'ayant aucun doute à ce sujet, compte tenu de la qualité de votre conférencier. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci. Écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir. Je vais essayer d'apporter ce problème qui vous intéresse, quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez pu lire dans les précédents livres. Étant bien entendu que j'avais un choix, publier des documents dont je n'étais pas totalement certain, et en particulier dont l'authenticité ne pouvait pour certains plus du tout déterminer maintenant. J'ai donc choisi de le faire tout de même en gardant à l'esprit le fait que j'avais déjà pu reconstituer avec des documents qui, eux, sont officiels et à peu près certains pour la plupart, une histoire du sujet, et que les nouveaux documents, loin d'apporter une contradiction à ce que l'on pouvait raisonnablement savoir du sujet, viennent au contraire le compléter. Alors ce que je vais faire, ce que je fais rarement, ce que je vais être obligé de faire aujourd'hui, c'est de vous lire trois de ces documents, et vous allez comprendre tout de suite d'où est venu mon intérêt immédiat pour la chose. Il semblerait, d'après ces documents, que les premières récupérations ont eu lieu non pas en 1947, mais en 1941 et 1942. 1942, je m'en doutais déjà un petit peu, ayant étudié le survol de Los Angeles au mois de février, quand je donnerai la date exacte, et je m'étais amusé, où j'avais réussi à trouver sur Internet la position des différents éléments de la défense aérienne américaine qui avaient participé à cette attaque de lumière qui était pour certains immobiles, pour d'autres qui se déplaçaient. Il existe même encore une photo de cet incident et un document qui lui est parfaitement authentique. Il a été déclassifié en 1972 et qui dit en substance, eh bien voilà, nous avons tiré, la défense aérienne a tiré 1430 hauts contre des lumières qui étaient stationnaires au-dessus de Los Angeles.
aucun engin n'a été abattu, aucun avion américain n'a décollé, et il n'y a pas eu de blessés. En fait, il y a peut-être eu quand même quelques blessés. On ne tire pas impunément 1430 au plus de DCA de défense contre avion en l'air sans qu'il y ait des éclats qui retombent. Je veux dire, j'ai connu le bombardement pendant la guerre et je sais très bien qu'en fait, il y avait beaucoup plus de blessés en certains endroits uniquement par les obus de DCA qui explosaient dans un morceau complet. Un de ces bataillons, vers les 4h, 5h du matin, avait affirmé avoir abattu l'un des engins. Ça m'avait beaucoup surpris. N'ayant pas trouvé de confirmation où que ce soit, j'en étais resté là. Or, dans ces nouveaux documents, dont je vais vous lire le premier, il semblerait... que ces deux récupérations qui auraient eu lieu en 1941 et 1942, la seconde était certainement liée au survol de Los Angeles parce que le lendemain du mémorandum envoyé par le général Marshall et le président Roosevelt, nous avons... Excusez-moi, je vais chercher. J'ai pas encore l'habitude, j'ai oublié souvent. Alors voici, je vous donne uniquement la traduction en français, mais dans mon dernier livre, il y a le document et la traduction en français qui sont en regard en général. Là, il s'agit donc, à la suite du rapport du général Marshall sur ses tirs de DCA, le lendemain même, le 27 février 1942, mémorandum pour le chef d'état-major de l'armée. J'ai considéré que l'utilisation des éléments matériels que possède l'armée pouvait avoir une grande importance dans la mise au point d'une arme de guerre supérieure. Je suis en désaccord avec l'argument qu'une telle information devrait être partagée avec notre allié, l'Union soviétique. Les consultations avec le docteur Rouch et d'autres scientifiques, quant à la possibilité de trouver des utilisations pratiques au secret atomique découvert en étudiant les engins célestes, interdit toute discussion ultérieure, et j'autorise le docteur Bush à mettre en œuvre ce projet sans délai. Cette information est vitale pour la supériorité de la nation et doit rester dans le domaine des secrets d'État. Toute discussion ultérieure de ce sujet devra se limiter au général Donovan, au docteur Bush, Dr. Bush, qui dirigeait le Joint Research and Development Board, c'est-à-dire un organisme très important qui s'occupait en même temps de recherche et en même temps de développement, qui engloberait, entre autres, l'équivalent de la DGA en France, par exemple, direction de l'armement. Et la fin et le challenge auquel notre relation est confrontée est à la fois impressionnant et périlleux. Et j'ai consacré toutes les ressources de notre gouvernement pour y faire face, etc. Vous pourrez parler de tout cela clairement avec moi de ce qui précède, si tout n'est pas totalement clair. Ce qui était naturellement intéressant, c'est l'allusion à des engins célestes. Alors, je ne dirai pas directement sous la signature du président Roosevelt, parce qu'il s'agit, vous le verrez dans ceux qui parcourront mon livre, vous verrez qu'il s'agit d'un document recopié, c'est indiqué clairement en bas de la page. On m'a déjà reproché au cours d'une intervention précédente, on m'a reproché d'avoir fait un faux pratiquement, alors que c'est vraiment écrit très très clairement, version recopiée, d'un mémorandum de Franklin Delano Roosevelt provenant de ses archives. Est-ce un vrai? Est-ce un faux? En tout cas, ce n'est pas un faux dont je me suis rendu coupable. Et nous avons le 5 mars 1942, donc nettement moins d'un mois après, à peu près une semaine, deux semaines après, mémorandum pour le président, qui a la réponse du général Marshall,
Comme indiqué dans mon mémorandum du 26 février concernant les aéronefs observés au-dessus de Los Angeles, et ça, ce mémorandum est parfaitement établi, c'est un document tout ce qui est plus officiel, nous avons appris par le G2 de l'armée que le contre-amiral Anderson, quelque chose qui avait gardé du renseignement, a informé le département de la guerre d'une récupération navale d'un avion non identifié au large de la côte californienne. Et là, on peut bien aux oreilles, tellement différent qu'il n'autorisait pas une explication conventionnelle. De plus, il nous a été révélé que les commandos aériens de l'armée avaient aussi récupéré un engin similaire dans les montagnes de San Bernardino, à l'est de Los Angeles, et qu'il ne pouvait pas être identifié comme un avion conventionnel. Ce quartier général est arrivé à la conclusion que ces mystérieux aéronefs ne sont pas en réalité d'origine terrestre et, suivant des sources secrètes de renseignements, seraient selon toute probabilité d'origine interplanétaire. Je ferai remarquer au passage que si effectivement deux disques volants qui ne pouvaient absolument pas attribuer à une quelconque technologie humaine, en particulier qui ne possédait ni hélice ni évent permettre la propulsion, on ne voit pas d'où pourrait venir une machine semblable, sinon d'ailleurs. En tout cas, clairement, déjà 15 jours après la seconde récupération, les conclusions avaient été tirées que ça ne pouvait pas appartenir. Ah oui, c'était d'origine, sans toute probabilité, d'origine interplanétaire. En conséquence, j'ai donné l'ordre au G2 de l'armée de créer une unité de renseignement afin d'enquêter sur ce phénomène et de rapporter toute connexion significative entre ces incidents récents et ceux que le directeur du bureau de coordination de l'information a rassemblés. De plus, j'ai donné l'ordre de lancer dans tous les dossiers du département de la guerre une recherche concernant les phénomènes aériens non conventionnels. À l'époque, on utilisait plutôt cette expression que non identifié, rapporté depuis 1897. Or, pour certains d'entre vous, en 1897, il y avait eu des épisodes d'observation d'engins inconnus qui portaient des projecteurs et dont on n'avait jamais réussi à trouver ou à expliquer la provenance. Alors celui-là était signé, vous verrez, la signature est un petit peu effacée, mais c'est la signature de Franklin Roosevelt. Mémorandum pour la commission spéciale pour la science et la technologie non terrestre. 1. Je suis d'accord avec la proposition de recommandation avancée par le docteur Bush et le professeur Einstein pour qu'un programme séparé soit mis en œuvre dès que possible. Je suis d'accord pour que l'application du savoir-faire non terrestre dans le domaine de l'énergie atomique soit utilisée afin de perfectionner des armes de guerre supérieures qui permettront de réaliser la défaite complète de l'Allemagne et du Japon. Au vu des dépenses déjà engagées dans le programme de la bombe atomique, il serait, en ce moment, difficile d'approuver des fonds supplémentaires sans engagement du trésor public et des militaires, etc. La conclusion, c'est que toute étude autre que celle ayant trait à la bombe atomique serait reportée au futur. Alors, mon jugement personnel est qu'il viendra un temps, quand la guerre sera gagnée, où des fonds supplémentaires pourront être disponibles pour poursuivre un programme destiné à comprendre la science non terrestre et sa technologie. Il reste très largement énigmatique. J'ai eu des discussions privées à ce sujet avec le docteur Bush et j'ai reçu l'avis de plusieurs scientifiques éminents qui pensent que nous devrions exploiter complètement ces merveilles qui sont venues à nous. J'ai entendu les arguments du général Marshall et d'autres membres de l'armée qui pensent que les États-Unis doivent assumer leur destinée dans ce domaine pour la sécurité de notre nation dans le monde d'après-midi, etc.
Et le dernier paragraphe, qui est tout à fait dans le style extrêmement correct, extrêmement, je dirais, presque précieux pour notre époque, le président Roosevelt remercie les différentes commissions qui ont travaillé dans ce sens. J'apprécie les efforts et le temps passé à réaliser des aperçus précieux dans la proposition de trouver le moyen d'améliorer notre technologie, etc. J'espère que la commission appréciera la situation dans laquelle la présidence doit prendre sa décision. Donc, refus d'engager des fonds supplémentaires, mais apparemment, et ça c'est tout à fait mystérieux et inattendu, apparemment, quelque chose dont les engins récupérés avaient permis d'avancer dans la mise au point de l'arme atomique. On peut appeler les choses par leur nom, mais c'est bien, c'est des armes spéciales, c'est bien l'arme atomique. Alors je dois dire que je commençais à valer la salive, oh là là, où va-t-on? Et surtout, comment pourrait-on imaginer que des engins qui n'ont pas été étudiés scientifiquement, dont on ne peut pas poursuivre l'étude pour l'instant, malgré tout, ont permis d'avancer et probablement ont donné un avantage décisif aux États-Unis dans la mise au point de l'arme atomique. Ça pose une multitude de problèmes. Parmi eux, est-ce que ce transfert technologique a été volontaire ou est-ce qu'il a été accidentel? Encore une fois, je me garderai bien de tirer des conclusions trop rapides sur ce sujet-là. Il fallait tout de même essayer de comprendre ce qui avait pu être récupéré. J'ai déjà une bonne idée. S'il y avait eu des matériaux fissibles dans les engins récupérés, il est évident que ces matériaux fissibles auraient donné à l'Amérique un avantage énorme. N'oublions pas qu'en 1942, enfin, disons, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, au moment de l'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, l'eau lourde, il en existait 145 kilos sur Terre. Elle avait été récupérée par les services de renseignement français, par le 2e bureau français, qui avait été envoyé, trois officiers du 2e bureau étaient allés négocier avec les Norvégiens. Or, les Norvégiens avaient refusé tout versement et avaient donné cette eau lourde aux officiers français, à charge pour eux notamment de les faire passer de l'autre côté du Channel. Et par la suite, ce qu'on appelait la bataille de l'eau lourde a été destiné à empêcher les Allemands qui avaient finalement occupé la seule usine de fabrication d'eau lourde au monde, les empêcher de la mettre au point et finalement de couler le dernier vaisseau qui avait une certaine quantité d'eau lourde. Cela dit, c'est très facile à souvenir, avec les bonnes mémoires, j'arrive pas à m'en souvenir, le 18 juin 1940. Le 18 juin 1940, l'uranium a embarqué pour Plymouth et a quitté la partie occupée d'Europe, ou qui se préparait à être occupée, et pour aller en Angleterre. En ce moment, il s'agissait de 145 kilos précisément d'eau lourde, pas un gramme de plus. Je pense que ça devait être contenu dans une coupe de 200 litres. Et finalement, elle n'a pas été utilisée, semble-t-il, par les Américains tellement, puisqu'elle se trouve encore en ce moment même au Canada. Alors je n'ai pas effectué des vérifications, c'est pas très important. Donc, les Américains savaient déjà à cette époque, et semble-t-il toute l'Europe, l'importance qu'aurait l'eau lourde pour la mise au point d'armes atomiques ou le développement. N'oublions pas que l'atome peut servir à autre chose qu'à fabriquer des bombes. Il peut servir, et il sert en ce moment en particulier, à produire de l'énergie. Je ne dis pas l'énergie du marché, je ne dis pas l'énergie propre, mais en tout cas des quantités très importantes d'énergie. Et en faisant des recherches, disons, un petit peu superficielles, et aussi en interrogeant des membres de la 3AF, parce que nous avons la chance à la 3AF d'avoir énormément de spécialistes en aéronautique et en astronautique,
et en particulier l'armée de l'air fait partie des membres collectifs, l'armée de terre, la marine, EADS, et aussi la direction des applications militaires du commissariat de l'énergie atomique sont des membres de notre OSNAF. Autrement dit, nous avons, vous vous en doutez, les compétences nécessaires pour faire des recherches en ce sens. Or, il y a deux choses qui frappent quand on étudie un petit peu le Manhattan Project et ce qui a été produit. La première chose, c'est que Enrico Fermi a réussi à mettre en divergence une pile atomique en décembre 1942. Or, en décembre 1942, le centre de Oak Ridge, qui allait produire la totalité des matériaux fissibles pour les futures bombes atomiques, n'était même pas encore construit. Il a commencé, vraiment au tout début, il a commencé à fonctionner en 1943. Essayez de remarquer les difficultés à notre époque, alors qu'il n'y a plus de problème théorique, mais les difficultés que rencontre l'Iran, par exemple, pour arriver à avoir des quantités suffisantes, des quantités 1% de matériaux fissiles, le nombre de réacteurs, le nombre de centrifugeuses qu'il faut mettre en œuvre, etc. À l'époque, tout restait à faire. Quand on a eu fini de construire Oak Ridge, l'usine de séparation des isotopes Oak Ridge, tout restait à faire. On ne savait pas du tout comment on allait industriellement produire de l'uranium. Or, 6 mois avant que l'usine soit construite, Enrico Fermi met en divergence une pile atomique. Alors, je suis allé me renseigner un petit peu sur Internet et j'ai découvert que officiellement il avait accumulé presque une montagne d'uranium pas raffiné et avait réussi à produire. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout du tout. Normalement, il devait disposer au moins d'une quantité suffisante d'uranium pour arriver à produire une divergence. Il y a aussi une autre chose qui est très très curieuse dans cette affaire, c'est que les 4 premières bombes atomiques qui ont été utilisées sur Terre, la première qui a sauté à Trinity Site, dont je vous donnerai les coordonnées précises plus tard, la première qui a sauté à Trinity Site était une bombe au plutonium, non pas une bombe à uranium. La seconde, sur Hiroshima, était une bombe à uranium. La troisième et la quatrième étaient encore des bombes au plutonium. Or, il y a une question qui se pose, d'où venait ce plutonium? Parce que du plutonium, il n'y en a plus du tout sur Terre depuis des milliards d'années. Pas depuis des millions d'années, depuis des milliards d'années. Pour ceux d'entre vous qui ont des souvenirs en maths, c'est la demi-vie. La demi-vie d'un corps radioactif, c'est une fonction exponentielle. La demi-vie du plutonium est de 90 000 ans. Ça veut dire qu'au bout de 900 000 ans, 10 fois la demi-vie, il n'en reste plus qu'un millième. Ce millième, disons, d'un million d'années, il n'en reste plus qu'un millième de millième, un millionième. Or, ce ne sont pas des millions d'années qui se sont écoulées depuis la formation de la Terre, mais des milliards. Donc, du plutonium, il n'y en avait plus du tout sur Terre. D'où vient le plutonium qui encombre actuellement? Il vient du fonctionnement des piles atomiques. Or, il n'y avait pas non plus de piles atomiques au monde en fonctionnement à cette époque. Oak Ridge avait été construit à côté du Tennessee Valley Authority, qui était le premier producteur d'électricité des États-Unis et qui est resté le premier producteur d'électricité des États-Unis jusqu'en 1900. En tout cas, en 1955. Donc, on a largement dépassé. Donc, nous sommes véritablement devant un problème. Et là, il y a un problème qui n'a rien à voir avec les ovnis, qui n'a rien à voir avec d'éventuelles récupérations. D'où les Américains tenaient-ils le plutonium qu'ils ont utilisé dans 4 bombes sur 5 en 1945 et qui a été 46 pour le quatrième. Bonne question. Je vous remercie de l'avoir posé. Si quelqu'un a une réponse, je serais ravi de l'entendre quand j'aurai terminé. Oui, monsieur. Il y avait bien des réacteurs qui utilisaient de l'uranium naturel avec du graphite, modernographique. Oui, oui. C'est la même chose qu'ont utilisé les Anglais pour faire leurs bombes en 1947, je crois, ou un peu par là. Oui, et les Français utilisaient la même technologie à peu près.
Je crois que c'est dans le l'Est des États. À Hansfield, je pense que c'était. Hansford. Voilà, excusez-moi. Oui, absolument. Mais là encore, la production de plutonium. C'était des centrales tout à fait rustiques. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on n'oserait absolument plus construire juste pareil parce que c'était à l'air libre. Et on empilait simplement les briques de graphite avec de l'uranium. Oui. Et puis ça dégageait la radioactivité dans l'air. Bah, tant pis, hein, c'était la guerre, il fallait y aller. Et une fois que la pile a divergé, au bout d'un moment, on a raffiné l'uranium et on a extrait le plutonium. Au prix de milliers de morts, évidemment. Oui, mais ça c'est, je dirais presque, ça n'est rien. Mais je sais, j'ai lu ça aussi sur Wikipédia. C'est tout à fait connu. Et ça, c'est la version officielle. Il n'en reste pas moins. Qui leur a donné l'idée de choisir le plutonium? A priori, il n'y avait aucune raison de choisir du plutonium parce que le plutonium, il n'y en avait plus sur Terre. Dans la mesure où il n'y avait pas de plutonium sur Terre, on peut vraiment. Non, non. Oui, mais. C'était connu le plutonium. Les savants, déjà, Marie Curie à cette époque-là, déjà, connaissait bien les différents isotopes. On avait déjà défini, oui, avant la guerre, en 39, je crois, on avait déjà compris le principe de la réaction en chaîne. Alors, j'ai pas potassé, hein, je ne peux pas vous donner les faits exacts, mais c'est sûr que déjà avant-guerre, en 39, tout ça, ces faits étaient connus. On connaissait le plutonium, on connaissait un autre isotope que les Allemands ont essayé, c'est le technétium. Ouais. Et puis, parce qu'il y a trois façons de faire des bombes atomiques. Il y a facilement, il y a l'uranium 235, celui dont vous parlez, dans lequel on fait la séparation isotopique et on prend la petite partie d'uranium 235 qu'il y a dans le minerai pour faire la bombe atomique. Il y a le plutonium et il y a ce troisième élément qui n'est pas utilisé à l'heure actuelle, mais qui pourrait être utilisé. À l'heure actuelle, on a des centrales au thorium et ces centrales au thorium peuvent permettre de fabriquer de l'uranium 233. Enfin bref, Oui, mais enfin, je dois dire que j'ai participé aux recherches de matériaux fissiles pour le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, en 1959 entre autres, enfin 59 et même 60. Et le thorium, nul ne savait quoi en faire à cette époque. Bien sûr. Reportons-nous au début de la guerre. Les quantités d'uranium et éventuellement de plutonium qui auraient pu être se comptaient, je crois, en grammes ou en milligrammes. Au début de la guerre, oui. Voilà, au début de la guerre, c'était ça. Mais c'était suffisant pour faire des études et connaître la... Mais les études, je n'ai jamais posé la question. Tout le monde peut vérifier que ces études, on peut même savoir dans quelle université ça a été fait. On sait même qu'une université essayait de produire de l'uranium par des moyens, par des bombardements, etc. Bon, tout ça, c'est connu. Ça n'explique tout de même pas, d'abord, le choix du plutonium par rapport à l'uranium, puisque au départ, on produisait de l'uranium, et on en produisait peu. Avant de pouvoir mettre des barres dans les fossés, je sais aussi comment les Américains sont réputés avoir produit leur plutonium. N'oublions pas que même encore à notre époque, disons il y a 20 ou 30 ans, il était difficile de séparer le plutonium. Et le plutonium, finalement, c'est pas quoi en faire, et on va le mettre dans des... On va essayer de l'enterrer en attendant qu'il perde sa radioactivité. Encore une fois, c'était tout de même une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse en interrogeant des gens, entre autres, de la direction de l'application militaire. Bien. Donc, il y avait cette chose-là. Est-il possible que les Américains aient pris une telle avance sur les Allemands? Comme ça, alors que les Allemands étaient réputés être très en avance, en tout cas une seconde. Venez parler à la place. Bon. Encore une fois, on va pouvoir en parler par la suite. En tout cas, même si les questions que je me suis posées et que nous sommes un certain nombre à nous être posées peuvent avoir des réponses. Encore une fois, il est clair que les Américains ont disposé très tôt d'uranium et de plutonium.
il a fallu qu'ils en disposent d'une quantité suffisante pour pouvoir faire le choix dans ce qu'ils allaient faire pour l'économie. Donc, encore une fois, ce n'est pas un facteur déterminant parce que j'en savais pas plus, surtout après l'affirmation que peut-être si les documents sont valides, les Américains avaient trouvé dans des engins venus d'ailleurs de quoi prendre une avance considérable dans le domaine atomique. C'est pas moi qui le dis, si les échanges de lettres entre Vannevar Bush et François Roussel sont exacts, c'est que là, ces personnes-là qui le disent. Okay. En tout cas, et quoi qu'il en soit, si effectivement les premières récupérations ont eu lieu en 1941 et 1942, elles ont certainement été étudiées au moins par la marine, parce que, et c'est très curieux, je viens de retrouver des indications très claires sur le fait qu'en réalité, dès le mois de mars, dès le mois de février 1942, il semble bien que très rapidement, les autorités, et en particulier Vannevar Bush, aient compris que cet engin pouvait servir à améliorer les recherches du Manhattan Project. C'était tout jeune à cette époque-là. D'où pouvait venir cette certitude ? Bien probablement par le fait que la récupération de 1941, loin d'avoir été mise simplement dans un hangar et laissée toute seule, a dû être étudiée par la marine. Il y a aussi, je crois, le bruit qui court, et c'est peut-être un peu plus qu'un bruit, que Albert Einstein a travaillé pour l'OMI, l'Office of Naval Intelligence, pendant une grande partie de l'année 1942. Je sais, ça sera vérifié, je n'ai pas encore le temps de vérifier. Alors, une des questions que nous nous posons tous, c'est: il semble bien que les Américains aient acquis très tôt la certitude d'une présence non terrestre. Et quand je dis qu'ils sont, ça semble acquis en particulier par des documents, un document qui n'est absolument pas mis en doute, et qui s'appelle l'évaluation faite par General Fleming sur les disques volants. Il est clair que les disques volants sont des disques volants, ce ne sont pas des phénomènes aériens non identifiés. Ce ne sont pas des pannes, ce ne sont pas des choses qu'on voit dans le ciel ou des nuages lenticulaires. Il est clair, et les descriptions sont extrêmement précises, que pour le général Fleming, ces engins étaient bien des engins construits, dont d'ailleurs on connaissait les performances. On peut se demander si il ne suffisait pas d'avoir observé en vol, par exemple, que les avions de chasse ne soient pas approchés de ces engins, pour arriver à connaître une partie de leur performance. De fait, je peux vous dire, parce que j'étais élève pilote en 1952 et 1953, j'étais donc à l'Académie de l'US Air Force, et on nous faisait des briefings complets sur le MiG-15, qui était un avion redoutable à l'époque pendant la guerre de Corée, alors que les performances du MiG-15 n'étaient connues simplement que par les rapports des pilotes qui s'étaient accrochés avec eux, etc. Et le premier MiG-15 qui a été récupéré beaucoup plus tardivement, et malgré tout, on connaissait toutes les performances de cet avion. Donc il reste possible, que simplement des rapports de pilotes aient permis au général Fleming
et avec un matériel commun, de tirer des conclusions précises sur les engins qui, n'oublions pas, ont été vus dans pratiquement tous les États des États-Unis au cours de l'année 1947, à partir du mois de mai. La première observation a été faite par un pilote privé, et par la suite, pratiquement tous les États des États-Unis ont observé des disques blancs. Il faut maintenant, tout de même, en analysant, mais encore une fois, c'est déjà paru, ça a déjà été fait par de nombreuses personnes, en analysant le rapport du général Koenig concernant les disques blancs, on arrive assez facilement à la conclusion, quand on voit quelle partie de la recherche fondamentale aéronautique avait été utilisée pour tirer les conclusions, on se doute un petit peu que ces personnes impressionnantes n'ont pas travaillé seulement sur des comptes rendus de pilotes. Parce que tout de même, des comptes rendus de pilotes ne sont pas suffisants. Donc, on avait déjà pratiquement la certitude que les Américains avaient dû ramasser, découvrir, récupérer autre chose que simplement des observations faites par des pilotes. Je m'excuserai, je vais continuer de m'asseoir. Ça va mieux. Or, il se trouve que dans le nouveau document qui sont arrivés à ma possession, il y a plusieurs rapports qui effectivement décrivent dans le détail des récupérations d'engins, non pas une récupération au nord de Roswell, mais deux récupérations. L'une d'entre elles aurait eu lieu à 75 milles au nord-ouest de Roswell, c'est-à-dire à l'endroit où on plaçait la fameuse récupération de Roswell dont on avait tant parlé. Et l'engin récupéré à cet endroit-là, le site est nommé dans le jargon militaire IZ-1, et il semble qu'il contenait surtout des débris en quantité suffisante, mais qui correspondent un peu à la description qu'avait pu en faire aussi bien le major Marcel que le rancher sur les terres desquelles l'avion cet engin était censé se faire écraser. Mais il y a une autre récupération qui aurait lieu à peu près simultanément et qui là se place exactement à Trinity Site, c'est-à-dire même pas plus à l'ouest que la première, et au nord de la zone d'essai de White Sands. Et cette zone d'essai de White Sands, c'est là que la première bombe atomique au monde a explosé, à Trinity Site. Alors si vous voulez, je vous en donnerai les coordonnées, mais on les trouve encore sur certaines cartes du Nouveau-Mexique. Ces coordonnées sont extrêmement bien précisées, et Trinity Site est bien indiqué. Et d'après ces documents, l'engin qui s'était écrasé à IZ2 était en bien meilleur état et en particulier était structurellement presque intact. Autre détail, il y aurait eu des récupérations de corps, de 5 corps, dans une sorte de capsule d'évacuation dans le site IZ1. Alors, au lieu de travailler de mémoire, je vais quand même vous lire ce qu'il y a sur certains de ces rapports. Je garde une réponse
plutôt un mémorandum qui avait été envoyé par René Warbusch au président Truman pour lui demander de reprendre les études scientifiques des engins récupérés qui avaient été abandonnés sur les ordres du président Roosevelt. Le premier document que j'ai, il n'y a pas un, mais trois documents concernant les récupérations de Roswell, enfin de Roswell et l'autre. Alors le mieux, c'est que je lise les bons éléments, sachant que tous ces documents sont reproduits et traduits dans mon dernier livre. Évaluation du renseignement militaire. L'extraordinaire récupération d'objets volants dans l'état du Nouveau-Mexique entre le 4 et le 6 juillet 1947. Ce résumé a été préparé par le quartier général de l'unité des phénomènes interplanétaires, branche scientifique et technique, direction du contre-espionnage sur la demande du chef d'état-major adjoint du G2 et sur les ordres express du chef d'état-major. À 23h32, le 3 juillet, dans les stations radar, repère des engins. Et pour résumer, le site IZ1 était situé dans un ranch près de Corona, environ 75 milles au nord-est de la ville de Roswell. Le site IZ2 fut localisé à environ 20 milles au sud-ouest de la ville de Socorro. Latitude 30 degrés 40 minutes 31 secondes, longitude, bien entendu, que je sois dit ouest, et longitude. Non, latitude 30 degrés 40 minutes 31 secondes nord et longitude 106 degrés 28 minutes 26 secondes ouest. Mais ça, vous pouvez vérifier sur les cartes du Nouveau-Mexique. Maintenant, vous pourrez vérifier cette position. C'est exactement celle de Trinity Site. Le personnel d'AST était surtout intéressé par IZ2 car ce site abritait la majorité des éléments structuraux de la carcasse de l'engin. La récupération de 5 corps dans un cylindre d'évacuation endommagé empêcha une investigation à IZ1. Il semble que IZ1 était isolé tant que les corps n'ont pas été récupérés. Donc, le détail des récupérations et ce qu'on pouvait imaginer. Aussi le fait que les militaires, au début, se sont demandé de quoi il s'agissait et avaient envisagé l'hypothèse que ça pouvait être un engin de construction soviétique. Une équipe spéciale de radiobiologie accompagnée un groupe de protection de Sandy à Air Force Base sur les ordres du colonel Hasbrook, Armed Forces Special Weapon Project. Alors, Special Weapon, c'était le nom de code pour les armes atomiques. S'assurèrent de la zone entourant le site du crash. Des scientifiques choisis du General Advisory Committee de la Commission d'énergie atomique, le plus notable étant le docteur Robert Oppenheimer, furent reconnus ainsi que d'autres à IZ2. Parmi les spécialistes de paperclip identifiés à IZ2 se trouvaient le docteur Ferner von Braun, le docteur Ernst Steinhoff, le docteur Hubertus Krugel. Le premier était à Fort Bliss, le deuxième appartenait à l'Air Matériel Commande, le troisième appartenait au laboratoire d'aéronautique à Randolph Field. Les mesures de sécurité sont ce qu'on peut imaginer. Le 7 juillet, le général Nathan Twining arriva à la base aérienne d'Alamo-Bordeaux pour une seconde rencontre secrète avec le chef d'état-major de l'Air Force et pour voir les restes de l'engin récupéré à IZ2. Le 8 juillet, etc. Je vous avoue que toute seule, cette ce rapport est un peu incroyable, c'est trop beau pour être vrai, on apprend tellement de choses. Néanmoins,
vous avoue que je l'aurais pour moi simplement laissé de côté en attendant d'en savoir plus. Mais j'ai eu la chance de récupérer non pas un, mais deux ordres de mission adressés au général Poiline, dans les mêmes termes, seulement l'un des deux était signé par le général Dwight Eisenhower et l'autre par le président Truman lui-même. Alors, c'est... Je m'en ai traduit tant, enfin, la traduction est grossement la même. Celui-là, c'est celui qui est approuvé par Harry Truman. Directif pour le lieutenant général Poiline. Vous vous rentrez au polygone d'essai de fusée de White Sands sans délai, dans le but d'évaluer les objets décrits comme non identifiés qui s'y trouvent. Une partie de votre mission concernera les aspects militaires, politiques et psychologiques de la situation présente et prévisible. Pendant votre étude, vous maintiendrez une liaison permanente avec les autorités militaires de la région. Dans votre évaluation, il est souhaité que vous ne donniez aucun compte des opinions ou des sentiments exprimés par le personnel impliqué s'il ne fait pas preuve de bon sens en ce qui concerne les conséquences possibles. En présentant les conclusions de votre mission, vous vous efforcerez de rester aussi bref que possible dans votre estimation de la nature, de l'étendue et des conséquences probables si vous ne receviez pas une assistance convenable. Quand votre mission au Nouveau-Mexique sera terminée, vous effectuerez un passage rapide par l'établissement de la Commission d'énergie atomique de Sandia afin d'évaluer la situation qui règne et de noter les réactions du personnel de Los Alamos impliqué. Avant votre départ pour White Sands, vous prendrez contact avec le général Eisenhower afin de vérifier si Gassier peut passer aussi par la base aérienne de Kirtland. Vous prendrez avec vous tous les experts, techniciens, scientifiques et tout assistant dont vous pourriez avoir besoin pour le bon déroulement de votre mission. Approuvé Harry Truman le 9 juillet 1947. C'est très intéressant et ça recoupe naturellement si tous ces documents ont été fabriqués en même temps par la même personne, bien entendu qu'il va y avoir des recoupements. Néanmoins, ça fait beaucoup de documents. Si on y rajoute encore deux descriptions complètes, mais faites par d'autres services des mêmes événements. Il faut voir que dans l'une des descriptions, alors je ne vais pas vous les lire parce que vous savez tous lire, si vous n'avez pas le livre dans lequel ces documents se trouvent, vous pourrez l'emprunter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait qu'il y ait eu, dans la récupération des corps, quatre soldats soient morts d'infection inconnue, et l'un des MP, des membres de la military police qui montait la garde, etc., autour du site, s'est suicidé. Et en fait, on comprend beaucoup mieux les ordres qu'avait reçus le général Poiline, qui ne concernaient pas particulièrement l'aspect technologique des engins récupérés, ou l'aspect psychologique de ces récupérations, mais surtout les effets que ces récupérations pouvaient avoir eu sur certains personnes. Et il semble bien, effectivement, qu'un certain nombre des personnes ayant participé à ces récupérations ont été très affectées psychologiquement, semble-t-il. En tout cas, vous voilà un type d'information complètement nouvelle qui semble totalement confirmé, et peut-être trop bien confirmé, ce qu'on croyait savoir. Dans les documents qui ont été récupérés, je vais peut-être vous en parler un petit peu, il y a un ensemble de documents qui ont été récupérés, qui comprennent donc ceux dont je viens de vous parler, et un certain nombre d'autres. Par contre, dans cet ensemble, il y a aussi deux documents qui sont de toute évidence des faux. L'un des deux a plusieurs fois été...
été pris pour un document authentique, et je pense qu'effectivement c'est un document authentique. Et là, il va falloir peut-être parler un petit peu plus longuement de ce qui se passe dans tous les armées du monde. Tout le monde n'a pas à savoir tout. En fonction de la mission que nous avions dans l'armée à remplir, nous étions obligés de savoir un certain nombre de choses. Nous avions donc les habilitations nécessaires pour apprendre, pour connaître ces choses. Et par exemple, un sous-officier ou même un officier de même rang qui s'occupe uniquement de l'administration n'avait absolument pas besoin d'une habilitation pour connaître des détails techniques. C'est ainsi, par exemple, que en 1953, nous avons fait les manœuvres en T-33 et puis ensuite en F-84 avec un instrument qui à l'époque était ultra secret, qu'on appelait l'IFF, Identification Friend or Foes, qui permettait à coup sûr d'identifier quelqu'un qui portait cet appareillage à bord de son avion. Ça modifiait le retour des ondes radar et il y avait un retour radar extrêmement différent de ceux qui n'en étaient pas munis. À l'époque, ça va peut-être amuser ceux qui connaissent cet instrument, il y avait deux chanelles, A et B. Maintenant, tous les avions de ligne en sont équipés, et vous ne pouvez même pas rentrer dans une zone terminale si vous n'avez pas ce type d'instrumentation. Néanmoins, en 1953, nous avions l'obligation de le faire exploser en vol si nous étions obligés soit de nous jeter en parachute, soit de tenter un atterrissage de fortune. Et si on ne détruisait pas cet instrument en appuyant sur un gros bouton rouge qui faisait tout exploser, avant de s'éjecter ou avant de s'opposer, c'était la cour martiale. Ceci pour vous donner une idée du type de sécurité. Nous avions besoin de savoir comment fonctionnait cet équipement, nous l'avons appris, mais nous étions obligés de consulter les manuels d'utilisation dans une salle où nous avions du papier, des crayons. Elle était gardée à l'extérieur par MP armé. Et quand on avait fini d'étudier, on comptait les feuilles de papier et on devait rendre les crayons et on vérifiait qu'on n'avait absolument rien pris. Vous voyez le genre de précaution. Autrement dit, ça explique que certains documents, comme par exemple la synthèse de l'air matériel commande concernant les disques volants, qui est un document authentique. Pourquoi? C'est un document authentique qui a été publié en annexe du rapport Condon. Donc il a été officialisé à ce moment-là. Bien, dans ce document, il n'est pas fait état de récupération ou du fait que les équipes qui ont travaillé sur l'analyse de ces disques volants disposaient d'épaves ou tout au moins de photos ou d'informations supplémentaires. Ça, c'est parfaitement logique. De même que certains documents qui portent le titre, non pas Majestic 12, mais Magic, M-A-J-I-C, j'avoue avoir longuement hésité, et je ne savais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que veulent dire les initiales Magic, M-A-J-I-C? Non. Magic Eyes Only. Non, Eyes Only, c'est simplement. Il y a un tas de documents qui peuvent. C'est une contraction de Majestic. Pas du tout. J'en suis désolé, c'est pas ça du tout. C'est un acronyme. C'est un acronyme qui veut dire Military Assessment for the Joint Intelligence Committee. Bon. Et ça apparaît dans un document qui est signé par Helen Carter, premier directeur de la CIA, enfin, premier DCI, en 1947. Ce document fait partie des documents que j'ai reproduits dans mon livre. Et c'est parfaitement logique, étant donné que le Joint Intelligence Committee n'est rien d'autre que la commission d'analyse du renseignement
réservée, dont la connaissance est réservée aux membres du staff, c'est-à-dire de l'état-major qu'on appelait le joint, voilà, là je me mélange, joint chief of staff, les chefs d'état-major des trois, enfin des quatre armes, on s'en rentrait les Coast Guard, les chefs d'état-major des différentes armes formaient le sommet en quelque sorte du renseignement. Et le Joint Intelligence Committee était simplement les renseignements, l'ensemble des renseignements dont ils avaient besoin. Donc, c'est absolument pas une contraction de Majestic, mais un terme qui probablement existait avant Majestic. J'ai dit, s'il y a des documents dits Majestic 12 antérieurs je pourrais le rechercher. Enfin, disons, à la fin de l'été 1947, j'en doute. Par contre, le Joint Intelligence Committee existe, et simplement Military Assessment, c'est-à-dire l'évaluation militaire du Joint Intelligence Committee. Et non, rien de mystérieux dans ce domaine. Et ça, c'est quand même une nouveauté. J'avoue que j'étais assez heureux de découvrir ça. Nous ne devons pas, et je ne vais certainement pas, anticiper sur les conclusions. Je vous parlais d'un document qui lui était un faux dans cet ensemble documentaire que j'ai lu. Il y a deux documents qui sont des faux évidents. L'un d'entre eux est censé émaner de la NSA, et pour eux, il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu, on n'a jamais rien trouvé, et pas la moindre allusion n'est faite au document de l'Air Matériel Command, le document d'évaluation de l'Air Matériel Command, qui, je le répète, est un document authentique, qui est connu. Il faisait partie du rapport London, qui est un rapport officiel, qui avait coûté 535 000 dollars au contribuable américain, qui avait duré quelques années, et qui était un ramassis de mensonges. Mais, il a bien fallu quand même mettre quelques documents déclassifiés à la fin, et des documents authentiques, bien entendu. Et parmi eux, cette évaluation de l'Air Matériel Command est largement suffisante pour, disons, sinon d'aller apporter la preuve, tout au moins donner une idée sérieuse que les Américains avaient récupéré quelque chose. Dès ce moment-là, c'était clair. Maintenant, il faut voir ce que pourrait signifier, et ça j'aimerais éventuellement que ça fasse l'objet de discussions entre nous tous ce soir, si l'État avéré que les Américains ont effectivement récupéré des engins qui n'étaient pas de ce monde, les ont utilisés pour prendre une avance sur le reste du monde. Il n'y a rien à dire. N'importe qui aurait eu cette récupération à leur place aurait fait la même chose, je pense. Je pense aussi qu'avec toute l'Europe occupée par les nazis, l'Angleterre fortement menacée de disparaître et d'être envahie elle aussi, il était tout à fait normal que les autorités américaines et à leur tête le président des États-Unis la décision qu'il a prise de couvrir ce léger avantage qu'avaient les États-Unis sur le reste du monde, si c'était le cas, par un secret d'État. Et de fait, l'un des documents, celui où il annonce au général Marshall que seulement 5 personnes seront au courant de cette situation, il annonce bien que l'ensemble des informations doit être couvert par un secret d'État. Et ce secret d'État, il y a un autre document dans cet ensemble, mais cet ensemble est quand même très important, puisqu'il comporte, je crois les avoir comptés, enfin en tout cas dans mon livre, j'ai mis 77 pages qui ont été traduites et qui sont reproduites. Ça fait quand même quelque chose de considérable. Et
Ça s'est fait naturellement au détriment d'une réflexion approfondie sur ces documents. D'un autre côté, il faut que je vous fasse un aveu. Je ne me suis pas représenté comme j'avais eu l'intention de le faire au début. D'abord parce que un certain nombre de personnes ici me connaissent. J'ai eu la chance d'être formé comme pilote de chasse par l'US Air Force. Je suis arrivé aux États-Unis en avril 1952. À cette époque-là, l'US Air Force était en guerre en Corée. Nous avons donc eu une formation qui était une formation de temps de guerre. Elle était assez dure. Nous avons eu 10% de pertes, ce qui est précisément ce qui est autorisé dans ce type de formation. Nous sommes partis à 163, nous avons eu 16 morts et nous sommes rentrés à une quarantaine projetés, à peu près. Et nous avons eu, et ça c'était typique des Américains, dès que nous avons eu notre brevet de pilote en poche, nos autres argent américaines, et le brevet de pilote français par équivalence, et non pas l'inverse, nous avions exactement les mêmes privilèges que les officiers américains. C'est-à-dire en particulier une clearance secret défense qui nous permettait, et on nous conseillait même, de prendre un petit peu sur notre temps libre pour aller à la bibliothèque de la base, étudier des informations qui venaient des différents agents de renseignement qu'il pouvait y avoir en Russie, en Allemagne de l'Est, etc. De telle façon que nous puissions mieux connaître notre ennemi, parce que nous ne faisons pas d'illusion, nous avions été formés pour arrêter les chars russes le jour où ils envahiraient. Le jour où ils envahiraient l'Europe. Nous avions les avions pour ça. Et nous avions l'entraînement pour ça, et la détermination aussi. Donc, dès que nous avons été brevetés, on nous conseillait fortement d'aller à la bibliothèque de la base, et je peux vous assurer que je ne m'en suis pas privé. Et c'est pour ça que je peux vous dire que tous les renseignements qui provenaient de la Russie en 1952 montraient un retard considérable de la Russie pratiquement dans tous les domaines, retard dû aux souffrances inouïes et aux pertes humaines qui avaient lieu en Russie, partiellement à cause du Gulag, mais partiellement aussi à cause des combats absolument extraordinaires qui avaient été menés pour défendre la Russie et finalement aider à battre les nazis. Et il se trouve, non, ça va. Est-ce que ça passe bien? Oui, très bien. Il se trouve donc que j'ai eu en main la première version d'une réglementation d'Air Force, Air Force 200-2. J'en ai quand même pris, je crois, un exemplaire en anglais. En réalité, l'exemplaire que j'ai pris date de l'année suivante. Je n'ai pas réussi à retrouver l'exemplaire que j'avais eu en main sur la base de Luke Air Force Base en Arizona en 1953. Je pense, après mes souvenirs, aux alentours du mois d'octobre. En tout état de cause, cette réglementation ne nous laissait aucun doute sur la réalité matérielle d'OVNI, sur la nécessité que nous avions de les, le cas échéant, poursuivre et de les abattre. Et ce n'était pas peut-être, je veux dire, il ne s'agissait pas de panne, ceux d'entre vous qui ont entendu ce vocable, phénomène aérospatial non identifié, ce n'était jamais agi de cela. Les UFO à cette époque-là, d'ailleurs, s'appelaient UFOP, OB pour Object, Unidentified Flying Object. Alors éventuellement, vous trouverez les passages les plus importants de cette réglementation dans le livre, et j'espère en avoir une copie que je vais retrouver dans mon fouillis. Cela dit, nous en sommes, en ce qui me concerne, jamais le moindre doute quant à la réalité physique d'engin, ce livre
droit à des incursions dans les espaces aériens contrôlés. J'avais toutes les raisons, je n'ai toujours aucune raison de douter de nos chefs dans l'US Air Force et de la, du sérieux de la réglementation auquel nous étions inscrits. J'ai gardé le silence sur cette réglementation, comme sur tout le reste, jusqu'au moment où j'ai trouvé des copies de cette réglementation dans différentes publications. Alors, ça s'est passé très tardivement. Je ne sais pas quand elle a été déclassifiée, mais enfin, elle doit être déclassifiée. Je vous mets en garde aussi pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'aller sur Internet. Si vous allez sur Freedom of Information and Privacy Act, les initiales, vous allez trouver une version de Air Force 200-2. Cette version est fausse. C'est une version expurgée. C'est une version où tous les éléments un petit peu gênants ont été supprimés. En particulier, l'existence d'un escadron spécial destiné à récupérer des morceaux qui pourraient tomber, des éléments qui pourraient tomber aux États-Unis. Or, cet escadron, j'ai retrouvé sa trace dans non pas une, mais trois versions successives de AFR-200-2, et je vous assure, c'est très instructif. Je sais que je devrais tirer une conclusion. Pour l'instant, je ne peux pas tirer d'autres conclusions que celles qui a été livrée, pour ceux qui ont regardé la télévision, que celles qui a été livrée par un de nos collègues au sein de la commission Sigma, Jean-François Clairvoy. Je ne sais pas si... je n'en ai pas une copie avec moi, mais pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, très simplement, il a dit aucune hypothèse autre que l'hypothèse d'une présence extraterrestre, ne pouvait expliquer les milliers, probablement plus, des dizaines de milliers d'observations qui ont été faites. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, la conviction d'une personne ne doit en aucune manière vous influencer. Et ce que je souhaiterais, c'est que vous repreniez, comme moi je n'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai eu un problème qui m'a maintenu un petit peu allongé et qui m'a un peu bloqué à la fin de l'année dernière, et enfin qui m'a immobilisé encore quelques mois. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, aidez-moi à tirer une conclusion sur plus équilibrée, et surtout, comme l'a fait tout à l'heure notre ami Gilles Bordet, n'ayez pas peur de me faire remarquer que peut-être j'ai été très léger en acceptant de parler de l'Évangile, tel ou tel texte, ou tel autre. Et que peut-être, comme mon vis-à-vis l'a fait tout à l'heure, j'ai tort d'imaginer que les Américains n'avaient pas, tout seuls, par eux-mêmes, effectivement avec des humains, parce que je sais très bien ce qui est décrit dans Wikipédia en ce qui concerne la production du plutonium, parce qu'il a fait bien fallu expliquer à nos contemporains comment les Américains avaient tant de plutonium. Alors bien entendu, il y a une autre, non pas hypothèse, mais parmi ces documents, l'un d'eux donne précisément la liste des matériaux, pas la quantité, mais la liste des matériaux qui a été récupérée à bord de ces engins. Je vais essayer de la retrouver. Vous la donnez ? Oui, bah oui, vous la voulez ? Oh, bah allez-y, ça va. Je l'ai coché de part. Oui. Alors, attendez, on va vous retrouver ça tout de suite, mon cher Jean-Pierre. Voilà. Magic Eyes on the Magic Eyes on the C'est ce document-là. Voilà. Merci.
Véritablement, c'est pas, ça n'a rien de surprenant. Alors, UF6, sous forme métallique, il s'agit probablement liste des matériaux. UF6, il s'agit probablement d'hexafluorure de radium. Je m'explique parce que de l'hexafluorure de radium, j'en ai transporté par l'intègre en bord, j'en ai transporté en cargo. C'est une forme diluée, une façon simple et pas très dangereuse de transporter de l'uranium. Acide fluorhydrique sous forme gazeuse, ça, c'est utile pour fabriquer de l'hexafluorure d'uranium. Tétrafluorure d'uranium et eau. Uranium 235 sous forme métallique. Matériaux ressemblant à du plastique. Beryllium. Aluminium pur. Isotope du thorium. Et poudre de plutonium. Il est de plus ajouté que les physiciens des bases de Los Alamos et de Sandia craignirent que le générateur puisse servir de bombe si les éléments décrits étaient utilisés de façon similaire à ce qui se produit dans des détonateurs de bombes atomiques usuels. Ce fut la conclusion originale. Après l'évaluation ultérieure, il fut déterminé que, dans la mesure où aucun circuit de mise à feu ne fut identifié, le risque d'une explosion était inexistant. Néanmoins, ça semble indiquer qu'en additionnant les quantités de ces matériaux qui avaient été trouvés à bord, il y avait au moins la charge critique pour fabriquer une bombe pour plutonium et la charge critique pour fabriquer une bombe à uranium 235. C'est-à-dire, à cette époque, 25 kg pour les bombes à uranium, c'est à peu près la charge critique, et 8 à 9 kg pour le plutonium. Voilà, je dis et je souffre, merci encore. Je souffle deux minutes avant de me prêter à vos questions. C'est ça que je voulais dire. Si on va faire des questions. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Gallier, pour votre intervention fort intéressante. Personnellement, je ne savais pas cette histoire de plutonium, que ça n'existe pas sur Terre. Et en fait, je suis étonné. Et j'en voudrais savoir plus. Non, je n'ai pas posé de question, vous avez une pause. Vous pouvez me reposer un moment et puis je vous reposerai pour des questions. Les tonnes. Attends, les tonnes. Il y a des tonnes de plutonium. Ça va ? Évidemment, c'est une tonne. Les éléments de l'univers. C'est pas ça le problème. Ouais, non, c'est le problème. Là, c'est physique. Il n'y a pas d'analyse physique. C'est plus dur que dire. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que vous pourriez être en mesure de nous révéler ce qui se passe au fond des océans, sur la Lune et éventuellement sur Mars. Bon, volontiers, ça ne pose aucun problème. Parce qu'il se trouve que, et ça ne fait pas partie des choses secrètes, il se trouve qu'à la commission Sigma, nous avons reçu un certain nombre de films où des amiraux russes en uniforme, se présentant sous leur nom, ont décrit des choses extrêmement bizarres qu'ils avaient, eux, repérées sous les océans. Y compris un incident où un sous-marin russe s'est trouvé face à face à un sous-marin de chasse. Non pas un sous-marin porteur de fusée atomique, mais un sous-marin d'attaque. Atomique lui aussi, se sont tous les deux trouvés dans un face-à-face, en quelque sorte, et une espèce d'énorme gerbe de quelque chose est sortie et passée entre eux, a décollé et ensuite a disparu, de toute façon les sous-marins ne voyaient plus. Et les deux sous-marins ont fait demi-tour, se sont quittés, ont arrêté de se surveiller. Mais c'est seulement un incident, il n'y en a pas d'autres. D'autre part, il y a quand même un certain nombre d'incidents qui ont été notés au sein de la Marine nationale. Cette arme importante et discrète fait partie de celles que nous n'avons pas véritablement et suffisamment consultées au cours de nos études dans la commission Sigma. Et je pense que ça se fera que ces jours. L'autre question était, en ce qui concernait la Lune, alors vous allez découvrir avec surprise
Et là, ce document est tout à fait authentique. Robert Oppenheimer et Albert Einstein ont signé ensemble un document qui n'a jamais été classifié pour la simple raison, c'est que c'était un document purement théorique qui concernait les problèmes législatifs et surtout en droit de droit international posés par une présence extraterrestre quelque part dans notre environnement, et avec une longue discussion concernant des territoires qui sont réputés Rex Nullius, ou Rex Nullius suivant les choses, ce qui veut dire choses sans existence dans la mesure où ils ne sont pas occupés. Mais les rédacteurs de ce draft, parce que ce n'était pas un document final, c'était une sorte de brouillon qui avait été signé par Albert Einstein et Robert Oppenheimer, dans ce brouillon, ils disent clairement que s'il s'avérait que la Lune soit occupée, bien entendu, il ne s'agirait plus du tout, contrairement à ce que nous croyons, d'un territoire Rex Nullius, mais ceux qui occupent la Lune en ce moment seraient les premiers occupants, et nous n'aurions aucun droit, d'après le droit international. Bien entendu, il faut quand même remarquer qu'il faudrait un certain nombre de décisions pour étendre le droit international, en faire un droit, en quelque sorte, interplanétaire. Mais ce document n'est pas un document bref, c'est un document quand même de 6 pages, qui a été annoté par René Warbusch, et en fait, ils ont réussi, apparemment, René Warbusch, et je me souviens plus qu'il y avait, je crois que c'est Eisenhower, ont réussi à convaincre Robert Oppenheimer et Einstein de ne pas le donner au président Truman. On ne peut pas obliger le président Truman à y réfléchir. Il semble par ailleurs tout à fait logique, si vous avez des capacités interplanétaires, d'avoir comme base avancée la Lune. Il y a plusieurs raisons à cela. La face cachée est complètement à l'abri des parasites atmosphériques et radioélectriques qui naissent quand il y a des orages, des tornades, etc., à la surface de la Terre. Si vous êtes sur la face cachée, vous n'aurez aucun de ces parasites. Vous pourrez donc avoir, disons, au centre de la face cachée, qui est en même temps donc la face qui n'est jamais tournée vers la Terre, vous pouvez avoir du matériel de transmission. Puis vous pouvez aussi, à condition d'être discret, probablement récupérer un certain nombre de corps sur la Lune, y compris de l'eau d'ailleurs. Dernier point. Il est tout de même assez surprenant, alors que nous avons des photos d'une précision incroyable concernant Mars, nous n'ayons aucune photographie précise. Aucune photographie précise de la Lune, aucune. Et que, en plus, les zones qui sont. Une des zones. Le cratère Aristarque, qui à lui seul comprend environ 30% des anomalies lunaires qui ont été repérées par la NASA, n'a jamais été visité, n'a jamais été photographié à une petite échelle. Toutes les photos que vous avez du cratère Aristarque sont des photos prises de très loin. Alors que, encore une fois, nous avons des photos très précises de Mars et qu'il est certainement possible à une mission photo qui tourne autour de la Lune, pas nécessairement avec l'espace sur Mars. La sono est morte. Elle est morte. Bon, il est tout à fait évident qu'il y a aussi un autre endroit dans la Lune que nous ne connaissons pas du tout, mais pour lequel il n'y a jamais eu la moindre mission. Alors qu'on va fouiller dans les cratères et dans les. Dans les canaux, enfin, les vallées de Mars, on ne sait rien de la vallée de Schroeder. Et la vallée de Schroeder, avec le cratère Aristarque, accumule un grand nombre d'anomalies lunaires. Vous n'avez qu'à parcourir l'étude de la NASA à ce sujet, c'est parfaitement évident. On n'a jamais, on ne sait pas ce qu'il y a dans la vallée de Schroeder. C'est quand même bizarre.
passe à la première, prochaine question. Il y avait là, ce monsieur, il était avant les autres, je crois. Voilà. Juste pour terminer sur la Lune, j'avais cru comprendre que vous aviez eu des photos à quelques membres de la commission cinéma qui vous étaient passées entre les mains de la Lune et que vous aviez dit qu'il y avait des choses surprenantes. Oui, mais... Mais vous ne pouvez pas nous en dire plus. Ah, oui. Si je peux vous en dire plus, ces photos-là n'ont pas été des photos qui nous ont été remises confidentiellement par la NASA, mais des photos qui ont été trouvées sur Internet et qui ensuite, peu de temps après, toute l'anomalie en question a disparu. Elle a été effacée. Et pas toujours de façon extrêmement adroite. Et quand on met les deux photos, donc on a eu ça. Mais encore une fois, pour l'instant, nous n'avons pas de source particulière, soit à la NASA, soit ailleurs, qui nous permettent d'avoir des informations que vous n'auriez pas. Voilà. Sont-ils allés vraiment sur la Lune? C'est une question qu'on pourrait se poser. Ils y sont allés, mais le film est faux. Bon, alors, je vais essayer de répondre au moins. On en reparlera après. Une chose est certaine qu'on ne peut pas changer, c'est qu'une émission qui vient de la Lune ne peut pas être simulée depuis la Terre. Parce que c'est pas seulement le temps de retard, c'est vrai, ça peut s'arranger. Mais par contre, c'est le fait que la Lune a un angle apparent d'un demi degré. Et que les émissions doivent venir à l'intérieur de ce demi-degré. Vous n'arrivez pas à simuler ça avec des émetteurs situés. Impossible. Oui. Allez. Alors, j'avais une question qui était vous donnez des renseignements extrêmement précis. Est-ce qu'on est, on est quand même ici en France, on est loin des USA, et je suppose qu'aux USA, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Est-ce que tout ce que vous donnez là a été publié déjà aux États-Unis? Oui. Ou est-ce qu'il y a des choses. Oui. Et une question annexe, en ce qui concerne les corps qui ont été retrouvés, j'avais vu un témoignage qui devait être de Werner von Braun, qui parlait des êtres récupérés. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces êtres récupérés? Alors, pas tellement sur les êtres, sinon... Je ne peux pas tellement vous dire grand-chose sur les êtres, sinon à citer le dernier document qui termine mon dernier livre, dans lequel les informations sont, je dirais, assez grossières. Théoriquement, c'est un livre, un petit manuel d'utilisation qui est destiné aux équipes de récupération. Les équipes de récupération n'ont pas à savoir d'où viennent les corps qui sont récupérés. Par contre, ils ont besoin d'avoir des précisions très grandes sur la façon de les envelopper, la façon de renseigner les caisses dans lesquelles ils sont mis, etc. Autrement dit, tout ce qu'ils donnent, c'est deux sortes d'extraterrestres qui sont maintenant, je dirais, presque hyper connus, bien qu'on n'en ait pas de cadavres en torsier. L'un de petite taille, environ de l'ordre du mètre à 1,10 m, avec des têtes assez grosses, des membres assez frêles et des proportions très différentes des proportions humaines. Quant à l'autre sorte, elle est décrite dans ce manuel comme de loin pouvant être confondu avec des personnes, d'origine, disons chinoise, extrême orientale. Sinon que d'après, il y aurait un ou deux détails qui sont très différents. Mais dans ce manuel, rien n'est indiqué. Sauf que, on croit savoir que ceux qui nous ressembleraient le plus aurait quatre doigts et des mains très différentes des nôtres. Mais bon, encore une fois, on en est réduit aux spéculations. Bon, on a déjà discuté tout à l'heure, parce que vous avez écrit des messages. Je suis un petit peu embarrassé pour vous critiquer, mon cher Jean-Gabriel, parce que nous sommes amis depuis longtemps et nous sommes en fait très largement d'accord sur les grandes lignes. Oui. Extraterrestre, hypothèse extraterrestre, crash de Roswell, etc. Ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord.
ça vient du manuel de SOM101. Oui, absolument. Et bon, il y a dans tous les documents que vous avez cités, pour celui-là, certainement des choses vraies. Par exemple, les deux descriptions par exemple, que vous venez de faire, moi j'y souscris, je suis persuadé qu'elles sont bonnes. Mais le problème auquel on se heurte dans les invocatives très vite, enfin, c'est qu'il n'y a pas du tout de notion d'origine. Et en fait, quand on connaît un peu l'histoire, on sait que l'origine est extrêmement douteuse de pratiquement tous ces documents. Le plus gros paquet, pour n'en citer qu'un, c'est celui bâti à celui qu'on vient de citer, SOM101, le document d'application qui ont quand même une sorte de manuel d'utilisation à l'usage des équipes de récupération. On sait comment il est arrivé. C'est Don Berliner qui l'a reçu par la poste. Oui. Et puis Kevin Randall a raconté ensuite qu'il en avait trouvé un dans un magasin d'armurerie. Enfin, il est apparu un peu partout. Hein. Il y a longtemps, au milieu des années 90. Bon, le gros des documents, ils sont arrivés par l'intermédiaire d'un ufologue américain peu connu, de Californie, Timothy Cooper, qui dit qu'il les a reçus d'un agent secret ancien de la CIA qu'il a baptisé Gandoui. Il n'a jamais dit le nom. Bon, autrement dit, on n'a pas l'origine exacte authentifiée de ces documents. Ils ne sont pas authentifiés. Sauf, il y a juste quelques rares documents qui sont authentiques, comme la lettre du général Poigny. Donc, j'attire votre attention. Je ne vais pas embêter tout le monde trop longtemps, mais il y a plein de choses intéressantes là-dedans, mais la plupart de ces documents ne sont pas authentifiés. Alors, je vous confirme totalement ce que vient de dire notre ami Gildas. La plupart de ces documents ne sont pas authentifiés. L'un d'entre eux peut même être démontré faux, puisqu'il s'agit d'un briefing qui aurait réputé être préparé pour le général Eisenhower. Or, tout le monde sait que le général Eisenhower, nécessairement, par ses fonctions, était au centre. Il était au-dessus des Joint Chief of Staff, et en fait, en tant que chef d'état-major, rien ne pouvait lui échapper. Donc ce document est un faux, c'est tout à fait évident. D'autant que il y a suffisamment de vrais et de faux mélangés pour pouvoir tromper quelqu'un qui serait imprudent. Je dis, le seul moyen de trouver que ce document est un faux, c'est que c'est un réputé briefing du président Eisenhower. Alors si quelqu'un pouvait faire un briefing à quelqu'un d'autre, c'était bien le président Eisenhower qui pouvait faire le briefing. Il en savait plus que tout le monde, probablement. Cela dit, tous les autres documents sont effectivement, leur origine reste douteuse. C'est pourquoi j'ai choisi d'essayer de déterminer leur cohérence, le fait aussi qu'ils permettaient certains regroupements. Je vais vous citer un de ces regroupements, peut-être, bon, tant pis. Il y a une lettre parfaitement authentique, manuscrite de Edgar Hoover, à qui on avait proposé d'utiliser le FBI pour aider l'armée à des recherches sur les gens qui avaient aperçu des ovnis. Et Edgar Hoover a rajouté de sa main, je voudrais bien le faire, mais à condition que nous ayons plein accès au matériel récupéré. Parce que dans le cas de LA, et tout le monde a pensé dans cette jeunesse, dans le cas de LA, les militaires nous l'ont caché, ils ne nous ont pas laissé approcher. Or, que découvre-t-on dans l'un de ces documents? Eh bien que, effectivement, la décision avait été prise par le chef d'état-major de l'armée de l'air d'interdire au FBI de pénétrer sur le site d'une des récupérations. Et de ce fait, et il s'agissait bien de celui qui avait eu lieu, la récupération qui avait eu lieu à Trinity Site, donc près au sud de Los Alamos. Et là, on comprend que LA, c'était très probablement, dans l'esprit des Carover, Los Alamos. Des petites, comment dirais-je,
comme ça, et surtout ceux-là qui étaient tout à fait inattendus, on en trouve tout de même quelques-uns. Alors je dois dire aussi une chose, je ne suis pas historien. J'ai la chance que mon éditeur, l'éditeur des éditions Derby, a une formation d'historien. Et il a, en tant qu'historien, ne connaissant rien au sujet, vérifié les cohérences. Je lui avais passé aussi, parce que j'ai comme document de travail, l'histoire officielle du département de la Défense depuis 1944 jusqu'en 1974, je crois. Enfin, de toute façon, il est dans mon bureau, je ne l'ai pas. J'ai aussi une compilation de documents publiés par la CIA et qui s'intitule « CIA under Harry Truman », donc la CIA sous Harry Truman, qui couvre tout à fait cette période. Et bien entendu, je me sers de tout ce nom, tout ce nom que j'ai à ma disposition. Voilà. Je vais juste ajouter quelques mots quand même pour dire que quand on connaît bien toute cette histoire, on voit effectivement très vite des choses qui ne vont pas. J'en ai trouvé une tout à l'heure. Vous avez parlé du site de Trinity Site, plus exactement de Oscar Abbey. Oui. Sur le terrain White Sands, il est indiqué dans ce document que j'ai traduit comme étant au sud-ouest de Socorro. Mm-hmm. Mais non, ce qui est au sud-ouest, c'est au sud-est. Sud-est, oui, oui. Ah oui, c'est marqué sud-ouest. Ah, possible. Mais ça, c'est juste un petit détail comme ça, mais moi, ça gêne beaucoup. Parce que je connais le terrain, j'y ai circulé en voiture, je connais la région. Oui, mon personnage. On regarde si c'est vrai ou s'il y a des choses fausses là-dedans. Bon, il y a une chose. Il y a plein de choses fausses. Il y a une chose qui est beaucoup plus gênante que ça, parce qu'il arrive, on a même des fautes d'orthographe. On ne corrigeait pas toujours dans les documents militaires les fautes d'orthographe, parce qu'il fallait tout retaper à l'époque. Il n'y avait pas de. Donc, ça arrivait. En ce qui concerne le site. AZ2, effectivement, il y a une autre chose qui est plus gênante, c'est qu'il est indiqué comme étant à 20 000, alors que Trinity Site se trouve facilement à 40 000. Allons-y. Allons-y. Non, c'est concernant les objets soi-disant récupérés. Je ne peux pas y croire, parce que si on avait récupéré des objets, on aurait découvert des propriétés qui ne sont pas terrestres. Dans le domaine chimique, sûrement pas, parce que les éléments sont les mêmes dans tout l'univers connu. Depuis l'hydrogène, c'est la table de Mendeleïev. Depuis l'hydrogène jusqu'à l'uranium, disons ce qu'on veut, ce sont les mêmes éléments qui existent à 1000 années-lumière, à 1000 années-lumière. Par contre, dans le domaine des propriétés physiques, on aurait pu prendre mesure la pureté de ces matériaux. S'ils sont plus durs que le diamant, on peut se dire que c'est pas possible, ça n'existe pas. Sur Terre, rien n'est plus dur que le diamant. Alors on aurait pu mesurer des propriétés physiques. Parce qu'un objet qui vient de 5, 20 ou 30 ou 1000 années-lumière, il a simplement des caractéristiques mécaniques, pas chimiques. Chimiques, c'est les mêmes partout, mais physiques en tout cas, différentes des nôtres. Et on aurait pu mesurer la résistance à la rupture. Et j'ai jamais entendu parler de mesure de caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire physiques, qui sont très simples. C'est trivial, c'est banal. Mesurer la résistance à la rupture. Si c'est aucun matériau sur Terre n'a une telle résistance, on connaît la résistance de l'acier, du titane, de tout ce qu'on veut, mais on aurait pu trouver des propriétés qui sont pas terrestres. Je peux répondre ? Oui. Il existe plusieurs pages de mesures avec la liste des organismes qui ont effectué ces mesures, oui. Et le fait qu'effectivement, en particulier, on n'a jamais réussi à comprendre des matériaux qui étaient à la fois d'une très grande résistance, peut-être pas plus durs que l'acier, mais qui par contre étaient extrêmement légers, plus légers que le balsa, et qui avaient des résistances. Ça a été décrit aussi, non seulement par ceux qui ont récupéré des débris, c'est-à-dire par Major Marcel, et aussi un petit peu par le ranger McBrazer, mais ça a été aussi décrit, il a été aussi précisé que l'air matériel commande et surtout l'ATIC, l'Air Technical Intelligence Center, a procédé à ces mesures pendant tout l'été 1947, après les deux récupérations.
Et il y a beaucoup de détails là-dessus. Et vous les trouverez, il y a des listes. Encore une fois, en plus, quand vous voyez tous les éléments de l'air matériel, comme dans le Technical Intelligence Center, de Ryan Patterson, qui ont contribué à l'étude, on ne disait pas de ces engins, mais enfin, en tout cas, à l'étude des disques volants, vous comprendrez que toutes ces mesures, elles ont été faites, effectivement. Il y a un bouquin qui est sorti récemment, signé Tomker et Donachie, sur tout ce qui est graphique. Ils ont rassemblé tous les... Tomker et Donachie ont rassemblé récemment un très intéressant, je suis en train de lire, sur tout ce qu'on sait sur la base Wright Patterson, et qu'on confirme à 100% tout ce que vous venez de dire. Oui, oui. Non, mais franchement, d'accord. Hein. Ah, écoutez, allez. C'est en français ? Non, oui. Avant la prochaine question, j'ai dormi à Ryan Patterson en l'année de ma graduation au mois de juin. J'ai dormi à Ryan Patterson. Je suis passé dans les B-47 qui étaient gardés par des hommes en armes en pleine nuit au sein de la base pour aller jusqu'à la cafétéria et retourner dans ma chambre. Voilà. Le building 180, il y a une zone 50, il y a une... Oui. Vous parlez du hangar 18, il y a hangar 23, je ne sais pas beaucoup, il y a des photos. Oui. Allez, messieurs qui avaient des questions. Dernière question. C'est la dernière avant, question. Allez, avant. Du temps. Avant l'arrière. Non, je ne vous entends pas. L'explosion de... L'explosion, la première qui a eu lieu, et M. Oppenheimer avait dit, de l'ère moderne. Et concernant la Lune, que disait monsieur, vrai ou faux, messieurs Kissinger et Rumsfeld, dans une vidéo que j'ai, devant le micro et devant la caméra, disent très clairement que c'est faux. Donc maintenant, ils le reconnaissent. Ça a été tourné à Londres, la première mission Apollo. Il le dit, j'ai les liens vidéo, je les mets à disposition. Donc on n'a pas de honte à dire que c'est faux, parce que eux-mêmes le disent. Ah mais je ne sais pas du tout. Je ne pensais pas avoir à parler de ce sujet, parce que je n'y connais pas grand-chose. Les missions Apollo, je connais ce que tout le monde connaît, c'est à peu près tout. Par contre, ce que je connais assez bien, ce sont les documents qui ont été assemblés concernant les anomalies lunaires avant les missions Apollo. Ce que je sais aussi, c'est que la plupart des missions, jusqu'à une certaine date, ont tout échoué. Et puis du jour au lendemain, ça m'est pas réussi. Mais encore une fois, je ne pense pas que le sujet était la science. Sinon, je me serais préparé.